Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Amis de la nuit, bonne nuit. Et amis de midi, bah, bon midi. Hein. Je sais pas quoi te dire, moi. Bon, ben, bonjour, bonjour. Hein. Moi, c'est Florian. Voilà, je conduis un camion bleu. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai mis sur ma tête. Est-ce que vous aimez bien que je vous mette sur ma tête? J'ai arrangé le truc pour que ça soit un peu plus agréable pour vous. Voilà, voilà. Parce que dans les dernières vidéos, on voyait que le ciel. Là, vous allez voir tout. Donc là, je suis en RP, région parisienne. Voilà, voilà. On va faire un petit tour de périphérique. Wow. Voilà le genre de choses que tu vois à Paris. Faire un petit tour de périph. Et puis voilà, on est encore en confinement, mais là voilà, ça roule beaucoup plus qu'avant, hein, clairement. Beaucoup, beaucoup plus. Même si normalement à cette heure-là, à l'heure où il est là, si tu passes ici, c'est mort quoi. C'est blindé, c'est bouché, c'est impraticable, tu peux rien faire quoi. Donc voilà. Donc là, c'est carrément fluide, voilà, je roule à 80, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, hein, depuis que j'ai commencé la vidéo, je touche pas l'accélérateur. Hein. Le camion, il coule tout seul, hein. 70, un petit coup de retardeur. Voilà, pour ralentir, tranquille. Et voilà, nous sommes à 70. Et là, faut que je me mette à gauche. Allez, s'il vous plaît. Décalez-vous. Merci. Merci, monsieur le taxi. J'ai vu que c'était difficile pour vous de vous décaler. Qu'il y a un tunnel. Allume la lumière quand il y a le tunnel. Voilà, voilà. Tchouk, 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 tchouk. Avant que nous arrivions sur le périphérique parisien, le saviez-vous? Le périphérique parisien a été construit de 1956 à 1973, soit 17 ans de travaux. Il a été inauguré le 25 avril 1973. Le périphérique, à peine créé, est déjà bouché, emprunté par plus de 200 000 véhicules chaque jour. Aujourd'hui, on estime à 1,2 million le nombre de véhicules qu'il emprunte chaque jour. Un chiffre assez dingue, 35. C'est le nombre de kilomètres qui constitue la boucle du périph. Mais c'est aussi la vitesse moyenne d'un véhicule y circulant chaque jour entre 7h et 21h. Voilà, la Seine et ses péniches. Voilà, c'est vraiment charmant ici, c'est joli, joli, tout plein. Là, c'est plein de des trucs de travail, d'habitation. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la chance de venir une fois dans sa vie à Paris. Donc, si je peux faire voir ça à quelques-uns qui n'ont jamais vu, eh bien, c'est une bonne chose. Balaloum. Ah, je vais à gauche, moi. Poussez-vous, hein. Je vais à gauche. Tchouk, tchouk.
Alors là, je vais toujours mon GPS. Pourquoi? Pour savoir les bouchons. Savoir si je vais être ralenti, bouchonné, arrêté, voilà quoi. Le boulevard périphérique compte 23 tunnels de plus de 100 mètres de long. Deux tunnels de plus de 500 mètres. Le tunnel des Parcs des Princes et le tunnel du lac supérieur. C'est tellement agréable quand il n'y a personne comme ça, bon sang, mais je ferais ça tous les jours moi. C'est vraiment très agréable quoi, c'est génial. Oh là, là j'ai pas été bon Florian. Il a fallu lâcher la pédale avant. Je suis arrivé trop vite dans l'obstacle. Non, peut-être pas. Là, il y a un gros virage. Paris périphérique nord. D'accord. Hop, on met en manuel et on met en 10. Et on va monter très gentiment. 50 km/h. Voilà. Moi, comme je dis toujours, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout. Par contre, j'écoute beaucoup les gens et j'apprends. Donc là, je m'insère sur le périphérique parisien et sachez que je suis prioritaire. Voilà, la voiture, où qu'elle se trouve, doit s'arrêter. C'est une priorité à droite. C'est la particularité du périphérique. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Sur le périphérique parisien, chaque sortie est une priorité à droite. Faites très attention à ça. Voyez-vous, devant nous, nous avons une voie d'insertion pour entrer sur le périphérique. Eh bien, on doit la priorité aux voitures qui arrivent. C'est pour ça que je roule sur la deuxième file. Comme ça, s'il y a une voiture, elle peut s'insérer sans que je bouge de file. Tout simplement. Et regardez, un périphérique fluide, mais c'est incroyable. Moi, j'hallucine de voir ça. C'est jamais. La vitesse moyenne d'un véhicule sur le périphérique, c'est 35 km/h. Vous voyez? Moi, je suis à 70. C'est limité à 70. Je roule à 70. Florian, faut pas rouler sur la ligne. C'est pas bien. Hop. Voilà. Donc là, la voiture qui vient ici est prioritaire. Bon, là, il n'y en a pas, mais... Voilà, que ça soit bien clair pour tout le monde. Ah, oh, c'est dingue d'avoir un périph' fluide. C'est incroyable. Je crois que c'est assez bizarre, hein, mais je pense que ça va être les seules fois de ma vie où je vais avoir un périph' aussi peu rempli que ça, quoi. C'est incroyable. Ça va être les seules fois de ma vie. C'est incroyable. Je vais en finir avec cette voix off interminable, avec quelques chiffres qui sont pour moi super intéressants. 35, la longueur en kilomètres du boulevard périphérique. 1,2, le nombre en millions de véhicules qu'il emprunte chaque jour. 1973, l'année où il a été achevé. 100 000, le nombre de riverains qui habitent le long de cet axe. 70, la vitesse maximale autorisée. 50, la vitesse maximale autorisée en cas de pollution. 35 km/h,
la vitesse moyenne sur le périph à cause des bouchons. 99. Le nombre de caméras reliées directement à la salle de contrôle. 750. Le nombre de capteurs dans le revêtement de la chaussée. C'est quoi ça? Bon voilà, périph vide. C'est assez dingue. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et moi j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu vois, on est devant Yamaha. Et devant Samsung. Allez, Florian, on roule pas trop vite parce que tu vas bientôt t'en prendre une. Ça va faire chlouf. Et là. Ding ding. Ding ding. Voilà, voilà. Bon, ben, mes chers abonnés, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est là, non. C'est en dessous. En dessous là. Enfin, par là, là. Par là. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ou un petit pouce rouge. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Salut, salut.